Son histoire a touché la France entière. Le 25 juin dernier, Valérie Bacot était libérée de prison après son procès, dans lequel elle était jugée pour avoir tué son mari, qui l'a battue durant plus de 24 ans. Un crime qui aurait pu l'envoyer en prison durant de longues années. Mais après avoir pris en compte les circonstances, le tribunal de Chalon-sur-Saône l'a condamnée à 4 années de prison, dont 3 avec sursis permettant à cette femme de sortir de prison, elle qui avait déjà fait une année en détention provisoire. Une publication partagée par Pastey, @pastey9, après sa libération, plusieurs célébrités s'étaient exprimées, comme l'actrice Eva Darlan qui avait dénoncé le manque d'efficacité du gouvernement sur le sujet des violences conjugales. Un comité de soutien avait été mis en place et une pétition diffusée pour que Valérie Bacot soit libérée et que son cas serve de symbole à toute la justice française. Le 2 juillet dernier, c'est au tour d'Ingrid Chauvin de soutenir cette femme qui a beaucoup souffert. Touchée par son histoire, l'actrice a partagé avec bonheur une très bonne nouvelle quant à la pétition envoyée à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et à Elisabeth Morano, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Et il semblerait que beaucoup de Français aient été affectés par l'histoire de cette mère, car plus de 720 000 signatures ont été comptabilisées. Une victoire qui a touché l'actrice, qui a alors décidé de partager cette nouvelle sur sa page Instagram. La comédienne a posté un cliché de la pétition avec ce message « Plus de 700 000 signatures pour une libération plus que légitime ». Ce n'est pas le premier combat que la comédienne mène car elle est membre de l'association qui vient en aide aux adultes victimes de violences mentales. Née en octobre 1973 à Argenteuil, Ingrid passe sa jeunesse dans les Yvelines. Ses parents divorcent lorsqu'elle a 8 ans. 4 ans après son divorce, sa mère, Nadine, se remarie et Ingrid accueille Jérémy, son demi-frère de 14 ans, son cadet. Désormais certaine de vouloir jouer la comédie, elle s'inscrit dans une école d'esthétique à Paris et espère approcher le monde du cinéma. À 19 ans, elle est maquilleuse. Son salaire lui permet de suivre des cours de théâtre à l'acting international et de taper dans l'œil d'un agent artistique. Elle commence dans les sitcoms des studios d'AB, dont sortent les séries cultes des années 90. Elle devient alors une habituée des séries policières. C'est le rôle de la policière Marie Balaguer, dans la série Femmes de loi entre 2000 et 2007, qui l'a fait connaître au grand public. Une publication partagée par Ingrid Chauvin fan, @IngridChauvinMavier, ensuite l'été 2005 la consacre héroïne incontournable avec la saga Dolmen dont le premier épisode réunit 12 millions de fans. Les 6 épisodes de la saga de TF1 lui donnent une popularité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. C'est un beau cadeau pour la comédienne au vu des scores faits en audience. Depuis la saga, elle reste une comédienne populaire et les séries dans lesquelles elle apparaît sont des succès, Suspect, Weekend chez les Toquiers. En 2017, la comédienne fait son retour sur TF1 dans la série Demain nous appartient, qui rencontre vite un beau succès. Côté sentimental, Ingrid Chauvin a vécu avec les acteurs Laurent Hanequin, 2001, et Jean-Michel Tignivelli, 2004, avant de rencontrer Thierry Pateux. Ils se marient en 2011 au Cap Ferret où la comédienne possède une maison. Jade est née le 18 octobre 2013. Un drame vient toucher le couple le 25 mars 2014. La petite Jade meurt 5 mois après sa naissance. En 2015, la comédienne publie un témoignage, à cœur ouvert. Ingrid Chauvin et son mari attendent un heureux événement pour le printemps 2016. Le 10 juin 2016, l'actrice donne naissance à un garçon qui s'appelle Tom. En 2019, TF1 montre le documentaire Ingrid Chauvin, notre combat pour adopter,
qui suit le couple dans son parcours pour adopter. En novembre 2020, Ingrid Chauvin annonce sur Instagram sa séparation avec Thierry Pelleteux.